Mon premier conseil, ce serait apprenez à apprendre. Il y a un certain nombre de découvertes scientifiques qui peuvent vous aider à mieux apprendre, que ce soit dans le domaine de la mémoire, du sommeil, de l'attention. Alors la première règle, c'est apprenez à faire attention. Apprenez à vous concentrer sur ce que vous essayez d'apprendre. Ne vous laissez pas distraire. Il y a un système dans votre cerveau qui s'appelle l'attention exécutive qui vous permet de sélectionner une ligne de pensée. Un exemple, l'apprentissage de la musique. Vous allez, pendant quelques minutes par jour, vous concentrer totalement sur cette activité. Et j'insiste sur le fait que ça doit être pratiqué tous les jours parce que tous ces apprentissages ne viennent pas en une seule fois. S'il y a une découverte vraiment fondamentale des sciences cognitives, c'est qu'il vaut mieux distribuer l'apprentissage que le regrouper en une seule fois. Si on a 2 heures d'apprentissage, il vaut mieux un quart d'heure pendant 8 jours qu'une seule fois 2 heures. Vous avez un rôle fondamental dans l'augmentation, l'enrichissement de l'environnement cognitif de vos enfants. Le cerveau de l'enfant est une machine à apprendre extraordinaire et donc fournissez à ce super ordinateur qu'est le cerveau de l'enfant un environnement extrêmement enrichi et enrichi notamment en paroles. Mon premier souci, ce serait de dire aux parents, parlez à vos enfants. Ne soyez pas dans votre téléphone portable pendant une demi-heure alors que votre enfant, dans les transports en commun, regarde par la fenêtre et ne fait rien de particulier. Utilisez un vocabulaire de haut niveau, un vocabulaire qui le tire vers le haut, parce que c'est de ce dialogue avec les parents que l'enfant tirera le maximum de son potentiel dans le domaine du langage. Et bien sûr, c'est la même chose dans le domaine des mathématiques, de la physique, les jouets que vous allez lui donner, même s'ils sont parfois très simples, mais les challenges aussi que vous allez lui donner, fabriquer une tour de Capla qui est plus haute que lui, c'est pour lui des occasions d'apprendre comment se comportent les objets, comment se comporte la physique et aussi comment se comportent les nombres, les ensembles, l'espace, tous ces concepts qui sont le fondement de la pyramide des mathématiques plus tard. Je dirais à un bébé, expérimente. On n'a pas de curiosité pour les choses qu'on connaît déjà, c'est rasoir. On n'a pas de curiosité pour les choses qui sont trop difficiles à apprendre. Et il faut encourager cette curiosité naturelle de l'enfant qui va spontanément l'orienter vers ce qu'il est capable d'apprendre. Alors, deuxième conseil que je donnerais au bébé, c'est n'oublie pas de bien dormir, parce que pendant que tu dors, ou pendant que tu fais la sieste tout simplement, dans la journée, eh bien, ton cerveau continue de travailler et est en train de consolider les apprentissages qui précèdent, sans qu'il y ait eu rien d'autre à faire, juste parce que la qualité du sommeil est bonne. Et donc c'est aussi une recommandation évidemment aux parents, laissez vos enfants dormir, assurez-vous qu'ils dorment profondément et qu'ils dorment suffisamment longtemps. Ce n'est pas du temps perdu du tout, c'est du temps d'apprentissage. D'abord, arriver à captiver l'attention des enfants. Vous devez canaliser leur attention vers ce que vous cherchez à enseigner. Ensuite, ne faites pas un cours magistral. On sait que ça n'est pas la meilleure manière d'enseigner. Faites un cours dans lequel il y a des périodes, évidemment, d'enseignement, et puis il y a des périodes de mise à l'épreuve, où vous questionnez les enfants. Tous les bons enseignants le savent déjà, évidemment. Mais c'est ça qui marche. Posez des questions, laissez les enfants répondre. Et alors, troisième conseil, acceptez les erreurs. L'erreur est une part absolument indispensable de l'apprentissage. Vos élèves feront forcément des erreurs. Ne soyez pas impatient. Soyez comme un prof de musique qui sait parfaitement que la première fois, le morceau n'est pas parfait, qu'il y aura des erreurs, mais que jour après jour, la consolidation va se mettre en place. Donc soyez généreux dans ce que vous donnez aux enfants, mais soyez patient vis-à-vis de leurs erreurs. Et enfin, n'hésitez pas à répéter. C'est mon quatrième pilier de l'apprentissage, la consolidation. Ça veut dire que tous les jours, vous devez revenir sur ce qui a été fait par le passé. Pas seulement d'ailleurs le cours de la semaine précédente, mais l'ensemble de l'année, parce que c'est avec des répétitions espacées dans le temps que la rétention en mémoire des enfants sera la meilleure.